Ce trail, c'est la deuxième édition cette année. C'est un trail qui est né dans le cadre de l'inauguration de la centrale de la cloche Pelton. Les services de préfecture nous ont autorisé à mener le trail. Mais ça n'a vraiment pas été facile. À ce titre-là, je remercie bien évidemment l'ensemble des sponsors, Grand Aigle Blanche, EDF, ainsi que la communauté de communes des Vallées d'Aigle Blanche. Il y a 8 formats de course. Donc les 2 km verticaux qui viennent de se terminer là maintenant, le K1000 et le K2000, et ensuite le 2000 qui monte jusqu'à Crève-Tête, et on a le lendemain les combinés sur Montréal Express, le 14 km, le 51 et le 26 km, les chapeaux belles et la tournée générale. Et à ça, on a décidé d'associer des combinés. Donc le mégawatt où on peut faire le kilomètre vertical et le 14 km, deux courses en un jour. La gigawatt où on fait deux courses en deux jours, le 1000 mètres plus 26 km. Et après, pour vraiment les costauds, la terawatt, où là on fait le 1000 mètres, le 14 km le samedi, et on reprend du service avec la tournée générale du 51. Alors il n'y a pas eu trop de préparation parce que c'est la première course, je vais découvrir. Donc je pense que ça va être difficile, mais ça va être une découverte tout le long. Donc j'ai aucune idée ni du temps ni de la difficulté. On verra, c'est ça un challenge. Là, je suis en reprise, donc comme j'ai mal dans les descentes, et ben, je fais que des montées et je fais des cavés. Moi je fais beaucoup des ultras et des trails. Bon, cette année avec la crise sanitaire c'est un peu délicat. Ça va, faut le prendre pour que du plaisir, hein, que du bonheur. Voilà. Oui, tranquille, pas de pression. C'est une belle épopée. Le début a été difficile un petit peu. Peut-être pour la fraîcheur du matin. Mais après c'est bon, dès qu'on est en piste. Au début on est concentré. Quand on arrive en milieu de course, deux tiers, on est un peu confiant. On prend confiance en soi, on commence à sympathiser un peu avec les autres. Le moral est là, il revient. Plus on monte, plus on sait qu'on a toutes les chances de finir et en forme, donc c'est super.